les lycées, les élèves. Bah, le quoi, les élèves. Les élèves. Quels élèves? Les quoi, oui, ils vont. Ben, ils sont venus payer le jus de ma mère. Et quand ils achètent, je mets ceci. Quand ils achètent, je mets ceci. J'ai mis ça beaucoup alors. Oui, papa. D'ailleurs, les enfants ne sont pas à l'abri, hein. Tu envoies un enfant à l'école comme ça, il lui donne le soin de têtu. Comme ça, chef. Tu comprends pas, enfant, têtu comme chef. Bizarre. Et c'est fini. Quand vous venez au centre pour votre délivrance, d'abord, parce que le centre est un centre de délivrance, généralement, vous avez des soucis, voilà, des soucis, des problèmes, ça ne va pas ça vous approcher de nous pour qu'on puisse vous traiter. Voilà. Et donc, par la grâce de Dieu, ce que nous sommes en train de faire, malheureusement, il y a des gens qui viennent, qui nous approchent dans un premier temps. J'ai toujours dit, le prophète, ne va pas vers vous. Voilà. Il ne va pas vers pas parce qu'on ne peut pas aller, parce que ce n'est pas des noms de croisades. Ce n'est pas vous, les vendredis, on va vers les gens. Et quand vous venez vers le prophète caché pour apporter de l'aide, vous apportez de l'aide, franchement, vous venez dans un esprit, vraiment un esprit saint. Un esprit où le monsieur qui est prophète caché veut vous aider, mais en retour, ne manifestez pas de méchanceté. Voilà, parce que malheureusement, il y a des personnes, quand ils s'approchent de lui, qu'on veut les aider, en retour, il y a pas mal de méchanceté. Voilà, on découvre après que la même personne qui disait à prophète, elle-même, c'est la même personne qui se retourne après, parce qu'on compte des choses qui, malheureusement. Voilà. Mais Dieu nous fait la part pour toujours continuer son œuvre. C'est ce qui est important. Voilà. Donc, on va poursuivre. Sa délivrance, est-ce que tu es prête à parler? Oui, papa, je suis prête. Oui, parce que la dernière fois, on a prié pour toi, tu avais tendance à laisser l'esprit de la sorcellerie chez toi, et tout ça. Tu n'es pas parti. Je suis là. Il faut lui demander si elle peut vraiment changer. Oui, papa, je veux. Non, je demande à ta maman là, de te poser des questions. Elle dit qu'elle veut quitter les dents. Elle veut quitter les dents. Pourquoi la dernière fois, on voulait prier pour elle et puis elle a laissé ça là-bas où on ne voulait pas laisser. Pourquoi? Pourquoi la dernière fois tu as laissé là? Mais j'attends pas de laisser là-bas, je suis partie chercher. Elle dit que c'est ma petite soeur qui lui a dit de laisser là-bas, mais elle est partie chercher pour venir. Comment? Ça, c'est la tante qui m'a donné, et puis ma grande soeur aussi m'a donné aussi. Ils m'ont donné la sorcellerie. Comment ils l'ont donné la sorcellerie? Ils l'ont donné comment? Maman, quand elle était à Saint-Pétro chez ma maman, elle était avec ma grande soeur, ma grande soeur était malade. C'est là d'aller payer pain pour elle, avant de manger, un peu pour manger. Et si je suis partie payer plein, le fait que je suis partie payer là, elle a divisé, elle a envoyé le doigt à prendre. Et quand il a envoyé le doigt, elle a pris plein, elle a dit de prendre plein et de manger. C'est une que je ne veux pas prendre, comme je suis malade. J'ai apporté mes plumes, j'ai apporté. Et c'est une que je trouve pour plus, elle a pris et mangé. Et c'est ça, il a pris ça et puis il a mangé. Et quand il a mangé là, après elle me dit, ce qu'il a mangé là, ça n'est pas plein. Et c'est bien de nous mettre. Elle dit qu'ils étaient à San Pedro avec sa grande soeur qui était malade. Donc sa grande soeur l'a envoyée pour aller acheter du pain. Et lorsqu'elle est partie acheter le pain pour venir lui donner, parce qu'elle était malade, elle devait prendre ses médicaments. Donc quand elle est arrivée, sa grande soeur lui a dit le pain là est gros, qu'elle n'a qu'à couper aussi pour manger. Elle dit non, moi je n'ai pas faim. Mais comme toi tu es malade, il faut prendre le pain et puis tu vas boire ton médicament. Elle dit non, c'est gros qu'il faut prendre. Et elle a coupé aussi pour lui donner et puis elle a mangé. Et c'est lorsqu'elle a mangé le pain que la nuit, sa grand-sœur lui a dit que ce n'est pas du pain, que c'est la chair de l'homme. Tu as tué combien de personnes? J'ai tué 150 personnes. 150 personnes. Ça veut dire que tu es reine. Donne-moi le nom des gens que tu as tués. Il y a deux filles, il y a pas.
Donc on te loue souvent pour aller tuer les gens. Papa. Tu as gâté quoi? J'ai gâté la vie de ma maman. Hein? Elle a gâté la vie de sa maman. Et sa maman est où? Elle a San Pedro. Tu as gâté quoi? Elle a gâté son argent. Et puis quoi? Et puis elle s'est séparée. Elle est plus son mari, mon papa. Il les a séparés comment? Ah, en bas, ils mangeaient sur la table ensemble. Je suis partie. Hein? Ils mangeaient sur la table ensemble. Les deux mangeaient à table. Monsieur et madame à table. Et si je suis partie mettre quelque chose dans l'eau, je suis allée mettre poudre dans l'eau. T'as fait quoi? Elle a mis poudre dans l'eau qu'ils vont boire à table. Elle a mis une poudre dedans. Elle a mis poudre dedans, puis qu'ils dorment là. Je suis allée mettre quelque chose au milieu des lits. Là. Elle a mis quelque chose au milieu du lit. Lui conjugal, elle a mis quelque chose au milieu. Entre monsieur et madame, c'est ça? C'est ça. Pour les séparer. Quelle est la chose? C'est comme balai. Elle dit c'est comme balai, brindis de balai. Le brindis de balai. Donc, elle est jamais au milieu. Pendant que je parle, j'invoque l'esprit de Dieu. Et je brise toute présence de la sorcellerie dans ta vie. Je commande à ce démon, quitte son corps. C'est un ordre que tu vas l'exécuter. Aucun démon n'est plus puissant que Jésus-Christ. La Bible déclare qu'au nom de Jésus, tout genou fléchira, tout genou fléchira. Et tu fléchiras les genoux ce soir par la puissance qui est dans le nom de Jésus. Je crois en Dieu souverain, dont la distance n'existe pas chez lui. Mais son nom seul suffit pour neutraliser le pouvoir des ténèbres. C'est pour cela que pendant que je parle, tu quittes le corps du adjoint. Où est sa maman là? Adjoint, regarde-moi. Depuis que j'ai pris pour toi, tu ne fais pas les yeux, c'est pas ça? C'est pas ça? Réponds-moi, c'est pas ça? Qu'est-ce que tu as? Parle fort. Son esprit, elle doit laisser son esprit là. Elle a laissé ça à la maison avant de venir. C'est pas ça? Elle doit laisser l'esprit de sorcellerie. Avant de venir au centre, elle a laissé là-bas. C'est pas ça? On te pose question. Où tu as laissé ton esprit? C'est à la maison. Hein? C'est à la maison. Elle dit ça à la maison. Tu en parles avec moi? Non. Mais tu me parles comment? Enlève ta main sur ta tête. Enlève ta main. C'est pas une mise en scène. Où tu as laissé ton esprit? Et pourquoi? Ça veut dire que tu as gardé la sorcellerie là où tu es venu, c'est ça? Je suis en train de parler avec toi, je ne suis pas en balade avec toi. Je dis que c'est par respect pour elle que j'ai décidé de te prendre, sinon moi je ne t'ai pas obligé. Voilà, parce que j'avais déjà des paniers, discuté. Tu as laissé ça à la maison? Papa. Bon, je stoppe la source aujourd'hui, je vais te reprendre demain. Parce que moi-même, là, je suis dépassé de ta réaction. Parce que quand je commence à parler, prier, je commence à ordonner, l'esprit n'est pas là. L'esprit même qu'on devait chasser, tu l'as gardé, c'est comme. C'est possible, c'est ce que je suis en train de vous dire. On peut mettre un esprit dans un arbre, on peut garder ça, puis venir dans l'église. Parce que c'est un démon. Elle peut commander, de toute façon, elle commande à l'esprit de pouvoir y aller. Elle peut commander à l'esprit et puis venir parce que ce n'est pas une petite piste d'obscur. Je te laisse du temps avec Dieu. Il faut aller demander pardon à Dieu. Il faut aller te repentir. Demande en fait ta délivrance. Mais comment quelqu'un peut te dire de laisser? Pourquoi tu dis ça? Elle n'a pas sauté avec. Hein? Elle n'a pas sauté avec. T'as pleuré? Hein? T'as pleuré là, vous allez dire? Non. Arrêter d'accuser les gens. Comment elle ne sait pas pour la plus simple qui va t'interdire de ne pas dire. Tu as vu que tu n'es pas sincère.
Est-ce que elle est prête, M. Angelo? Il demande si tu es prête pour... C'est quoi la musique qu'elle voit? C'est quoi? Elle dit qu'elle est prête pour quitter. Où sont les gens que tu as gâtés là? Où sont les gens qu'elle a gâtés? Les garçons là sont restés là-bas. Oui, oui, oui. Le petit là, là tu as prié pour lui. Et puis il y a un autre qui était à Abidjan qui est venu, qui devrait venir. Il n'y a personne là. Il y a l'enfant de ma petite soeur là qui devrait venir. Mais à la maison, il n'y a personne. Donc il est en train de surveiller la maison. Oui, oui, il n'y a pas de souci. Ok. Venez. Les voici. D'accord, on avait déjà prié pour vous. Pour moi, mais pas pour eux. Il a prié pour eux. Oui, oui, vous avez prié pour eux, papa. Il a prié pour eux, c'est prié pour celle-là. Il reste pour elle. Elle est très bandite. Elle est très, 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 très bandite. Je sais qu'elle est très sournoise chez vous là-bas, elle est très sournoise. Genre, vous la voyez, on est un agneau, mais elle est très dangereuse. Ça, c'est ça dans sa manière de faire. Hein. Dans sa manière de faire, déjà, ça se sent déjà, parce que le règne chercher comme ça, c'est un peu ça. Voilà. Toi, tu l'as délivré. Oui, papa. Et la sorcellerie, là, tu mets ça, et puis tu viens. C'est une chose. T'as vu, toi-même, là, tu n'avais pas pitié de ton avenir, parce que c'est quel avenir tu as? C'est ça aussi, tu as quel avis? Or, c'est Dieu seul qui peut transformer ta vie et bénir ta destinée. Voilà. Tu n'es pas à l'école? Non. Au lieu de ta Dieu va te bénir. Croche ta Dieu va te bénir. À cause ta Dieu va te bénir. Le travail que tu as eu là, c'est gâter la vie des gens. Ça comme chemise à la maison. C'est sous ta maudit. C'est sous ta maudit. Elle est sous ta maudit. Elle est sûre. C'est sous ta maudit. Non, mais c'est méchant. À un moment donné, là, il faut comprendre qu'il faut laisser ça. Voilà, il faut laisser ça et puis, ben, il faut avancer. La vie, là, c'est ça. Il faut quand même avancer. Quand tu fais du bien, malheureusement, c'est ceux qui sont en de l'aide là, qui ont dit, mais venez, et puis c'est eux qui nous font du mal, malheureusement. Aujourd'hui, se pose la question, est-ce qu'on peut aider quelqu'un? C'est la question moi-même que je me pose aujourd'hui. Ben oui, comme tout le monde va par elle-même, l'expérience qu'on a vécu nous ouvre les yeux. Les gens, tu as pitié d'eux. Hein? Pitié d'eux. Dans leur galère, leur truc. Et eux qui vont te montrer qui a réussi dans leur vie. Oui, c'est eux qui vont venir tout gâter. Ils n'ont même pas participé, même à contribuer ta vie, ils n'ont même pas. C'est eux qui vont venir vouloir tout détruire. C'est ça, par moi, il faut faire attention à son entourage. Hein? On peut prendre quelqu'un, mais il faut faire attention. Hein? Non. Maintenant, il faut faire attention à ceux qui vous fréquentent, ceux qui viennent chez vous, ouvrez les yeux. Hein? C'est pas de la méchanceté. Voilà, parce qu'il est plus facile de garder que de construire. Ça, c'est vraiment important. Alors, est-ce qu'on sait? Mais justement, il faut avoir le discernement, il faut savoir, il faut maintenant faire attention à tout. Voilà, il faut faire attention à tout. Voilà. Et c'est les mêmes là qui vont vouloir détruire ta vie. Mais l'homme, moi-même, ne sait pas dire merci. Malheureusement. Et c'est les mêmes qui te détruisent là, qui vont commencer à. C'est eux qui vont dire, ah, voici ça, voici comment ça vient. Or, c'est vous qui avez détruit la vie de la personne. Tu es une femme, et puis, reste le travail que tu as fait. Normalement, tu dois avoir peine de compassion pour dire, bon, tu repentis pour dire, c'est une occasion pour moi, ok, j'abandonne cette pratique de la sorcellerie, je décide d'abandonner. Mais ce n'est pas le cas. Tu restes à la maison comme sultane. Tu laisses ça. Et puis, tu viens à l'église. Depuis là, c'est ça? Depuis là, elle est ici. Ça fait près d'un mois. Elle est ici.
C'est moi, Nadia, elle a laissé 6 mois pour la puce. Mais 6 mois, tu as fait. C'est les 6 mois. Quand vous dites ça, si tu dis non, j'étais prêt à te délivrer. Ils m'ont insulté jusqu'à fatigué. Il n'est pas sorcier, il n'est pas sur votre bouche là. Votre bouche là, ça coule même un problème. Il y a un chien dans la maison là-bas pour compter. Non, c'est chier là. On est au courant. Tu as chier là-bas, non? Hein? Il va pas. Oui, ça tu as déjà dit. Ah, c'est fini. Tu as initié qui? C'était ça l'initiation? Yannis et Yanni. C'est qui? Le fils de maman. Celui que tu as prié pour lui la fois passée là. Non, on n'a pas initié. Il était venu à l'église. Pas magistré. Qui encore? Mais vite. Qu'est-ce que tu veux au juste? Bah, il veut ma délivrance. Mais tu veux ta délivrance, faut être sincère. Faut être sincère après. Puis elle lycée les élèves. Dans l'école, les besoins. Hein? Les élèves. Quel élève? Là, il y a quoi? Oui, il est bon. Tu veux l'élyser comment? Ben, je suis venu payer le jus de ma mère. Quoi? Je suis venu payer le jus de ma mère. Et qui l'achète? Je vais les sorcier. Qui l'achète? Je vais les sorcier. Mais ça paye tous. Il dit, qui l'achète? Je vais les sorcier. Pourquoi tu dis que tu as initié l'envie? Je te demande, tu me dis que c'est pas tous. J'ai initié beaucoup alors. Oui, papa. Vous voyez, les enfants ne sont pas à l'abri, hein. Tu envoies un enfant à l'école comme ça, et je lui donne le souhait de têtu. Comme ça, chef. Tu comprends pas, l'enfant est têtu comme chef. Bizarre. Et c'est fini. Parce que la vie, bizarre, bizarre. Mets ta main sur ta tête que j'ai pris pour toi. J'ai pris, Seigneur, notre Dieu, que la puissance en main de ton intervienne dans sa vie. Je commande aux esprits des ténèbres dans sa vie. Je commande à l'esprit de la sorcellerie de libérer sa vie et de libérer sa dépouille par la puissance qui est dans le nom de Jésus. Je te commande au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas partir et lâcher sa vie. C'est un ordre. Voilà. Tu pars d'elle et tu la libères. C'est un ordre. Lâche-la. Lâche-la. Je te commande par la puissance qui est dans le nom de Jésus. Le feu sur toi, depuis ta tête jusqu'à les plombs de tes pieds, j'invoque le feu du Saint-Esprit. Il consume tes œuvres dans ce corps, puissance des ténèbres. Je vois comme un gros parent en elle. Commande au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lâche-la. Allez, sors. Allez, sors d'elle. La puissance au nom de Jésus. Le feu. Le feu sur toi. Le feu sur toi. Le feu consume tes œuvres. Le feu du Saint-Esprit consume tes œuvres dans ce corps. Je commande de lâcher sa vie au nom de Jésus. Lâche-la. Lâche-la. Libère-la. 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 Libère-la au nom de Jésus. Libère-la. 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 Libère-la.
tomber. Voilà. Le monde a pu tomber ce qu'il fait. Sorti de toi. Tu crois qu'il est sorti de toi? Il a senti comme il y a quelqu'un qui est sorti d'un coup. Ok, tu es libéré au nom de Jésus. Le petit, il est venu à qui? Lui là. Oui. Il est venu à son papa. C'est okay. Sa grande soeur, vous avez parlé d'elle tout à l'heure. Mettez la main sur votre tête, je prie. Seigneur, merci que ta grâce, merci. De bénir cette œuvre, merci de bénir, merci d'accorder la délivrance à tous ces bien-aimés. Merci, toi qui es Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur le Seigneur tu es, merci pour ta main forte, merci pour ta puissante main. Merci d'accorder la délivrance au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Amen. À toi, Dieu bénisse. Amen.